Ben voilà, alors on est parti, c'est 9h30, c'est très joli, un éclairage, un bel éclairage. On est sous voile, on va un peu du côté de Propriano, là-bas au fond. Ben, on promène, hein, on passe le temps en attendant lundi, on visite. Regardez-moi ces lumières, c'est magnifique. Toujours devant une île. Eh ben voilà, on aperçoit des petits dauphins, des dauphins, mais il y en a des tout petits. Alors attente, ça se passe par là. Ils vont bien venir nous voir. Hop, un petit tout qui a sauté là. Ils s'amusent, ils doivent chasser là-haut. Je vais retourner à la barre pour me rapprocher. Ils sont pas très proches, mais peut-être qu'ils vont venir à notre rencontre. Voilà, on dira qu'on les aura vus. Bon, pas de très près, mais quand même. Alors, moi, vous devez voir, eh bien, Angie qui me court derrière encore. Voilà, en tant que passé, je suis légèrement devant, mais bon. Il trottine, il arrive. Et au Moro, voilà, devant, avec sa fameuse tour génoise. Le mouillage, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, ça se couvre un peu, c'est normal, c'était annoncé, c'est de l'est. Non, c'est du sud, sud-ouest, qu'est-ce que je raconte? Mais bon, on ne sait pas pourquoi ça se couvre. On va voir un peu, le mouillage doit être bien abrité. Si Raymond veut. S'il va vouloir rester là ou descendre au port pour recharger un peu les batteries. Bon, aujourd'hui on est le 18. Là il est 7h-10 du matin. Et c'est couvert. Et on est levé si tôt parce que départ 8h, technique Ramucho, pas payé le port. Voilà, donc nos deux petits bateaux côte à côte. Au port approprié, non. Voilà. Départ de Propriano, ben c'est pas terrible au niveau météo, c'est très couvert, là-bas il y a de l'orage en mer. Et nous on a pris 3 gouttes. Et alors comme on a pris 3 gouttes, le Pierrot, eh ben il s'est bricolé, un bimini, dit le bimini du pauvre. Voilà. Une gaffe, un parasol, deux vide-vite, et un coup à bâbord et un coup à tribord dans le vide-vite. Et après qu'est-ce que je fais? Bah, le pilote il travaille et moi si je veux, alors traveling avant, et bien là-bas c'est Porto Polo où on a passé 2 jours, et bien moi je me mets à l'abri dessous, dessous mon bimini du pauvre, vous voyez, tranquillou, Baptistou, je suis pas bien moi là, au pleuvoir, allez viens, tombe la pluie, tombe, rince-moi les voiles un peu, vas-y, rince-moi. Alors j'ai sorti ma belle veste de car, magnifique. Magnifique, grande classe. Voilà. Et on se régale. Là-bas, il y a de l'orage. On va le filmer, l'orage. Petit travelling. Alors, travelling rapide, hein, mais bon, on s'accroche. Et voilà. Bel orage, là-bas. Voilà. Là, mon petit bricolage aussi, du matin. Une feuille d'alu sur le fenestron, autrement appelé le hublot, parce qu'il prend un peu l'eau. Donc, on va voir ce que ça donne, là. Ça doit un peu isoler.
Allez, bah, allez, je suis le roi du monde dans ce monde petit eau, petit tabasco, ça avance 3 nœuds et demi. Et on prend direction le golfe d'Ajaccio, mais le soleil va revenir. Allez, on se régale. Image pour montrer derrière nous le petit grain quoi, au fond sur Propriano. Bon, on a bien avancé. C'est beau comme tout, ces lumières. Alors que sur le sud il fait beau. En mer ça s'est dégagé. Et nous on marche toujours bien. Voilà, sur la sortie du golfe de Valenco là-bas. Droit devant. La baie d'Orzu, au sommet du golfe de Valenco. Ben, on va mouiller là parce que là on va être bien. Voilà, petite plage, petite baie sympathique. Et là-bas nous avons notre ami Andy. Et là-bas le bout du golfe de Valenco. Il y a d'Orzu, on n'a fait qu'un bref passage et puis on repart. Là il y a un peu de zef. Le Ramucho! Et alors? Voilà, voilà. Donc, eh ben, finalement, ben, on s'en va. Et cette plage était bien belle, mais. Donc, on a préféré partir. Alors, aujourd'hui, encore des dauphins. 4. Ouh là là, il y en a un pagaille là. On va faire un petit coup de zoom. Zoom zoom. Ah là, ben c'est dommage parce qu'ils partent dans l'autre sens. Donc on va pas les voir longtemps. C'est beau, hein, ça souffle. Je sais pas trop si je les ai là parce que. Ça serait bien qu'ils reviennent un peu me faire ma route. Allez, au revoir les dauphins, à la prochaine. Bon, alors dans la continuité, eh bien, on a mouillé au port de Portigliolo. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il pleut. Il pleut, c'est beau comme tout. Tiens, il y a une cata qui arrive là-bas. Une cata. Wow, elle était bonne. Là on a Angie juste là. Voilà. Et puis l'orage. Bon, c'était annoncé. C'est un vent de sud qui amène la pluie. Et le port de Portigliolo, ben, c'est très joli. C'est une belle calanque. Très joli. Voilà. Sous la pluie. Arrivé sur Ajaccio. Voilà. Il est tard. On fait moitié voile, moitié moteur. On a une heure d'Ajaccio là, pour enseignement. Belle journée, beau ciel, magnifique. Ajaccio au Pré-Beauplein, une belle mer noire, la ville d'Ajaccio est belle.
crevasse, quoi. Elles sont belles.